Bien-aimé, peuple de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, disciple de Jésus, le Seigneur m'envoie vers vous ce soir pour vous donner un message sur la victoire constante dans le combat spirituel. Ce qui donne à un enfant de Dieu la victoire constante dans les combats spirituels auxquels il est confronté. Le fait de toujours avoir la victoire sur les attaques des démons, sur les souffrances, sur les frustrations, sur les problèmes de la vie. La victoire constante sur les œuvres des démons. Et la première vérité que j'aimerais vous dire est la suivante. Dieu sera avec vous dans tous vos combats. Mais Dieu ne combattra pas toujours pour vous. Je rembobine. Toute la Bible nous montre que Dieu est toujours avec ses enfants. Mais Dieu ne combat pas toujours pour ses enfants. Parce qu'il y a certains combats dans lesquels Dieu va t'introduire. Et il va vouloir que toi-même, tu combattes, mais en son nom. Donc, il veut t'apprendre à te battre ce soir. Alléluia. Ce soir, c'est formation militaire spirituelle. Il y a des combats que Dieu ne va jamais mener pour vous. Mais il sera avec vous. Et il attend ce que vous-même, vous combattez. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, vous allez subir certaines défaites dans votre vie de sanctification. Vous allez subir certaines défaites par rapport à votre santé physique. Vous allez vivre certaines défaites par rapport à certains problèmes de la vie. Et vous allez penser que c'est le brisement de Dieu. Or, c'est l'échec spirituel. Si vous ne comprenez pas le rôle que vous-même vous devez jouer dans le combat spirituel, vous allez subir certains problèmes causés par les démons en pensant que c'est la volonté de Dieu et que Dieu est en train de vous éprouver. Le combat spirituel, Dieu est toujours avec nous, mais il ne combat pas toujours pour nous. Exemple. Souvenez-vous des enfants d'Israël. La Bible dit que lorsque Israël est en train de faire mouvement pour sortir de l'Égypte, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, il y avait un combat qui était là. La mer Rouge. Ils ne savaient pas nager assez pour pouvoir nager jusqu'à dépasser la mer. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas la connaissance de Noé pour fabriquer une arche. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient confrontés à une difficulté, à un obstacle. Et quand ils regardent ça, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Et il y a des situations comme ça dans la vie chrétienne, frère. Il y a des situations comme ça. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Quand tu regardes la taille du problème et tu regardes ta taille, tu te dis c'est la mort qui me reste. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie. Quand tu regardes l'immensité du problème et tu regardes tes moyens financiers, tu regardes ta faiblesse, tu te dis c'est la mort qui me reste. Et c'est la même réaction que les enfants d'Israël ont eu quand ils étaient devant la mer Rouge. Ils ont regardé les problèmes qui étaient devant eux, ils ont regardé les difficultés et puis ils ont dit: Moïse, tu es venu nous tuer par noyade. Or on pouvait mourir là-bas par chicotte. Tu nous as fait quitter les chicottes pour nous envoyer dans l'eau, pour nous tuer par noyade. Parce qu'ils n'avaient jamais vu un aussi grand problème. Vous savez, il y a une parole que Dieu donne à toute personne qui décide de marcher avec lui. Quand tu décides de marcher avec Jésus, il te dit: ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ça qu'il a gardé pour ceux qui l'aiment. On connaît ce verset, n'est-ce pas? C'est un verset intéressant, alléluia, c'est intéressant? Ok, je vais vous dire quelque chose. Ce verset-là concerne les bonnes choses. Ça concerne aussi les problèmes. Les problèmes que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, c'est ça que Dieu a gardé pour ceux qui ont décidé de marcher à lui. C'est ça que Dieu a gardé pour ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Qui comme moi, avant qu'il ne devienne chrétien, il n'a jamais connu un certain niveau de frustration. Et puis c'est seulement dans l'église qu'il a connu ça. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Les frustrations que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, Dieu a gardé ça dans l'église. Ça t'attend.
les enfants d'Israël se sont retrouvés devant un problème que leurs yeux n'avaient jamais vu. On les poursuit et ils doivent traverser une mer. Il dit c'est la mort. Et c'est là que Dieu va commencer à leur révéler les mystères du combat spirituel. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de ne pas s'inquiéter. Mais toi Moïse, voici ce que tu dois faire. Lève ta main. Garde la main levée. La mer va se diviser en deux. Bien-aimé, si vous lisez attentivement le livre d'Exode, vous allez vous rendre compte que, contrairement à ce qu'on nous montre dans les films, dans l'histoire de la mer rouge, Moïse n'est pas juste venu faire comme ça. Et puis la mer s'est ouverte. Non. La Bible dit qu'il a laissé sa main levée toute la nuit jusqu'au matin. Il était arrêté comme statue de la liberté, comme ça. Toute la nuit jusqu'au matin. Pour que la mer se divise. Un Dieu a fait souffler un vent toute la nuit jusqu'au matin. Pour que la mer se divise en deux. Ça veut dire quoi? Le peuple de Dieu a un grand problème qu'ils ne peuvent pas résoudre. Dieu décide d'aider le peuple de Dieu. Et pour pouvoir aider son peuple, Dieu se choisit un homme. Dieu se choisit une femme à qui il demande de rester dans une certaine position pour que Dieu décante la situation pour aider tout le monde. Et si cet homme ou cette femme n'obéit pas à Dieu, les Égyptiens vont tuer le peuple de Dieu et ils vont dire que c'est le brisement. Si Moïse ne fait pas ce que Dieu lui a dit, si Moïse n'accepte pas de payer le prix de la fatigue, le prix de la veille, le fait de veiller pour les autres, s'il n'accepte pas d'être debout pendant que tout le monde est couché, si Moïse n'accepte pas de garder les bras en l'air pendant que tout le monde a les bras dans les assiettes en train de manger, si Moïse n'accepte pas de rester dans le jeûne, rester dans la prière, rester dans la méditation plus longtemps que les autres enfants de Dieu, il y a des malheurs qui vont lui arriver à lui-même Moïse. Et ça va arriver à tout le peuple de Dieu. Mais pourtant Dieu est avec eux. Parce que ce combat-là, Dieu était avec eux. Mais ce n'est pas Dieu qui a levé sa main lui seul. Il voulait que Moïse aussi lève sa main. J'aimerais dire à toi qui es chrétien ici, lorsque le Seigneur te pousse dans une certaine discipline par rapport à ta vie de prière, à la vie de méditation, à la vie de jeûne, à la vie de sanctification, à la vie de consécration, le fait de ne pas rester dans la discipline que Dieu t'a donnée, à cause de toi, les Égyptiens peuvent attaquer, tuer et blesser beaucoup de personnes. Lorsque le Seigneur Moïse te demande de garder les mains levées, qui est l'image de la prière, l'intercession, et que tu dis j'ai trop prié, je vais abaisser un peu les bras, les Égyptiens arrivent. Il y a des problèmes que tes enfants vont commencer à avoir. Il y a des problèmes que ta femme va commencer à avoir. Il y a des problèmes que ton mari va commencer à avoir. Il y a des problèmes que ton père biologique va commencer à avoir. Il y a des problèmes que tes frères et soeurs vont commencer à avoir dans ta famille. Parce que tu as baissé les bras. Combien de chrétiens dans ces derniers temps sont en train de baisser les bras par rapport à la vie de prière? Combien de chrétiens dans ces derniers temps sont en train de baisser les bras par rapport à la vie de jeûne? Le jeûne est en train de disparaître de la vie de l'église. Le jeûne est en train de disparaître de la vie même des ministères de prédication. Des prédicateurs qui ne jeûnent plus. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et qui disent on est sous la grâce, on n'a pas besoin de jeûner. Combien est-ce que la vie de méditation profonde des Écritures est en train de disparaître de la vie des chrétiens? Les études bibliques sont en train de disparaître des églises modernes. Il n'y a plus d'études bibliques. Et parfois même chez ceux qui prêchent, ils ne sont plus sérieux avec les Écritures. Ils ne prennent pas du temps souvent pour faire comme Luc. Vérifier l'exactitude de certaines choses avant de venir les présenter. Ils ne payent pas le prix que Dieu leur demande de payer. Mais ils veulent voir la mer rouge se diviser en deux. Ça n'a jamais marché comme ça. Les amis, quel est l'état actuel de votre position spirituelle? Est-ce que vous avez les bras debout ou vous avez les bras baissés? Dieu peut vouloir diviser la mer en deux, mais il a besoin d'une Moïse ou d'un Moïse qui va accepter de laisser les bras debout plus longtemps que les autres chrétiens. Le réveil spirituel et les mouvements de l'esprit
ne sont jamais le fruit du hasard. Les visitations choquantes et inhabituelles du Saint-Esprit ne sont jamais le fruit d'une vie de indolé, de télévision et de promenade. Depuis le temps de Moïse. Et souvent quand on lit l'histoire de la mer rouge, on ne voit pas ce que Moïse a fait. On voit seulement la main de Dieu. C'est ça, non? On ne voit pas la main de Moïse. Regardez la main de Moïse. Comment c'était? Et ce jour-là, Dieu lui a dit une phrase. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ce jour-là, les enfants d'Israël n'ont pas combattu. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas levé la main. Ils étaient assis comme vous êtes assis. Et puis les ennemis sont morts et ils ont acclamé Alléluia. Ils ont acclamé. Moïse est en train de veiller et ils ont dormi. Ils sont réveillés le matin. La mer où il a divisé. Oh, Alléluia. Ils ont glorifié Dieu. Et ils pensaient que ça allait toujours comme ça. À chaque fois qu'ils allaient avoir un problème, ils allaient dormir. Et puis ils allaient dire à l'homme de Dieu, Moïse, va lever ta main un peu, on revient. Prie pour nous. Nous on dort. Veille pour nous. Nous on dort. Jeûne pour nous, Moïse. Nous on mange une douleur. Or, ils ne connaissaient pas le mystère du combat spirituel. Vous savez, quand tu te convertis, ce qui est arrivé à Israël devant la mer rouge, ça arrive aux nouveaux convertis. Il y a des combats, tu ne te fatigues pas. Dieu fait ça pour toi. Alléluia. Il y a des combats, tu ne te fatigues pas. Tu te réveilles un matin, tu vois que tu as l'amour de la sainteté. Tu ne regardes plus la pornographie. Tu n'insultes plus les gens. Tu ne parles pas mal aux gens. Tu n'as rien fait, ton cœur a changé. Tu te réveilles le matin, tu chantes, tu salues tout le monde. Tu es content. Et tu penses que ça va être toujours comme ça. Le début de la conversion, c'est trop intéressant. Tu dors, tu manges, tu te réveilles, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu te promènes, tu lis un peu la Bible seulement, il y a un chant qui te vient, tu commences à chanter, tu es emporté. Et tu glorifies Dieu comme les chrétiens d'Israël. Dans Exode chapitre 15, ils ont commencé à faire des louanges. La Bible dit qu'ils ont traversé la mer où ils ont loué le Seigneur. Ils ont célébré le Seigneur. Parce qu'ils ont mal interprété une phrase que Jésus leur a dite. Il leur a dit, les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Et ils pensaient que ça veut dire qu'ils n'allaient plus jamais avoir de combat. Or, Jésus a précisé la nationalité, les Égyptiens. Mais les enfants d'Israël ne savaient pas qu'ils allaient avoir d'autres combats avec des gens qui ne sont pas des Égyptiens. Les Philistins, les Éviens, les Jébusiens, et ils sont plus mauvais que les Égyptiens. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Le Seigneur les a laissés. Ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont reçu le baptême. Ils ont traversé la mer rouge. Ils sont arrivés maintenant dans la réalité. Ils se plaignent un peu. Ils ont un peu faim. Dieu fait tomber le pain du ciel. Ils disent Alléluia. Dans le début de ta foi, tu as l'impression que Dieu exauce toutes tes prières. Tu pries un peu seulement, tu fais un songe. Tu médites la Bible un peu seulement, tu comprends la parole. Tu ne forces pas. Qui a vécu ça? Nous avons tous vécu ça, frère. Ceux qui sont nés de nouveau, on connaît. Tu ne forces pas. Souvent même, tu te moques des chrétiens qui prient trop. Tu dis, oh, vous la mettez Chanel, quoi. Vous n'avez pas compris la grâce. Et un jour, il commence à t'arriver. Il va commencer à t'arriver. Ce qui arrive aux enfants d'Israël. La Bible dit, un jour, Moïse est venu les voir. Il dit, peuple de Dieu, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ils ont dit, Alléluia. Ils sont venus. Il dit, bon, on va passer par un chemin. On doit aller sur la terre promise, mais on doit passer quelque part. Et l'endroit où on va passer, il y a des gens là-bas qu'on appelle les Amoréens. Les enfants nous ont demandé, c'est qui ça encore? C'est le nom de vos nouveaux ennemis. Ils ont dit, mais Moïse, c'est pas ce que tu nous as dit. Tu as dit, on doit sortir d'Égypte pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Tu ne nous as pas dit, on doit sortir d'Égypte pour aller nous battre avec les Amoréens.
Moïse dit oui. Mais les amis, si tu habites à Douala et que je te dis allons à Yaoundé, toi-même je dois comprendre que tu vas monter d'un véhicule. Tu dois faire les déductions. Maintenant, je vais te monter dans le véhicule, te mettre dans le véhicule. Tu dis non, c'est pas ce que tu m'as dit allons à Yaoundé. Mais comment on va arriver à Yaoundé si on ne monte pas d'un véhicule? Moïse dit, le pays où coule le lait et le miel. Vous savez pourquoi il y a du lait et il y a du miel là-bas? Parce qu'il y a des hommes qui habitent là-bas. Ils ont fait l'élevage des vaches. C'est eux qui font couler le lait. Il y a des gens qui habitent là-bas, ils ont fait l'élevage d'abeilles. C'est eux qui font couler le miel. Vous devez aller vous battre contre eux pour arracher ça. Et ils pensaient que c'était un pays où il y a un bouton. On a pu piouf et puis le lait sort. Ils pensaient que c'était un pays où quand tu veux manger du miel, tu cliques sur le bouton 2 et le miel coule. Alléluia. C'est comme ça que certaines personnes pensent que la vie chrétienne est. Dans les débuts de leur foi. Parce qu'ils ne connaissent pas les mystères du combat spirituel, la réalité du combat spirituel. Mais plus tu avances, le premier ennemi, il se dit, bon, Moïse, on fait comme la dernière fois, tu vas élever tes mains, Dieu va souffler un vent sur eux, ils vont mourir. Moïse dit, non, le Seigneur maintenant m'a donné une autre stratégie. Ce type d'ennemi, c'est pas comme ça qu'on les chasse. Moïse dit, ce type d'ennemi, pour les chasser, vous-même, vous devez aller vous battre avec eux. Moi, Moïse, je vais avoir les mains levées. Et puis Dieu va vous accompagner en bas. Ils disent, quoi? Nous, on n'a pas fait d'école militaire. On était maçon. On construisait la maison de Pharaon. On va devenir militaire, gendarme, un coup comme ça. Moïse dit, c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Tu commences à faire des choses que tu n'as jamais fait pour rester en vie spirituellement. C'est ça le réveil. Tu ne fais pas, tu seras tué par la chair, par les œuvres de la chair. Bien-aimé, lorsque tu décides de venir marcher avec Jésus-Christ, il souffle un vent sur toi et il chasse les démons sans que tu ne fasses aucun effort. C'est ça l'image des Égyptiens. La délivrance des démons, la délivrance de certaines maladies mystiques sans que tu ne fasses d'effort. Maintenant, après ça, il y a d'autres combats qui arrivent. Le combat contre les œuvres de la chair. Ça, Dieu ne va pas souffler sur toi. Il va t'apprendre à te battre contre les œuvres de la chair. Il va t'apprendre à te battre contre le péché, les Amoréens. Ou Dieu ne va pas se battre pour toi, c'est toi-même qui dois te battre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Bien-aimé, je veux vous apprendre, chrétien, à lutter contre le péché, à lutter contre les œuvres de la chair, à lutter contre les Amoréens, les Jébusiens, les Philistins. Et si vous refusez de vous battre, ils vont vous tuer. Et ils vont mettre votre nom sur la liste. On dit, celui-là, il l'aime avant. Il vivait dans la sanctification avant. Il évangélisait beaucoup avant. Celle-là, elle priait dans la maison ici avant. Elle lisait beaucoup la Bible avant. Celui-là, il chassait les démons avant. Ce monsieur-là, il priait pour les malades et Dieu les guérissait avant. Qui veut pas qu'on parle de lui comme ça? La soeur avant. Le frère avant. Jonathan avant. Christine avant. Et ça va devenir votre nouveau nom. Avant, avant. Et ça ne glorifie pas Dieu. Et quand les gens vous regardent, ils ont appelé que votre Dieu s'appelle J'étais. Ça ne s'appelle pas Je suis. Parce qu'on ne voit plus les œuvres de l'esprit à travers vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut tuer, éteindre la vie de l'esprit? Ce sont les œuvres de la chair. Rien d'autre. Et qu'est-ce qui fait que les œuvres de la chair éteignent facilement la vie de l'esprit dans les chrétiens? C'est la négligence du combat qu'ils ont amené contre le péché jusqu'au sein. C'est dit, Dieu combat pour moi. Or, Dieu ne combat pas toujours pour nous, mais il est toujours avec nous. Et les enfants d'Israël, voici la stratégie. Moïse se tient sur la montagne, il lève les mains. Et la Bible dit que tant que Moïse a les mains en l'air, les enfants d'Israël ont la victoire en bas. Mais pendant qu'ils sont en train de se battre, bien sûr, Josué est avec les autres. Et tant que, la Bible dit que lorsque Moïse baissait les bras, les ennemis commençaient à dominer sur eux.
Donc ça veut dire quoi? Pour qu'ils aient la victoire sur leurs ennemis, il y avait deux choses qu'ils devaient faire. D'abord, il fallait que Moïse ait toujours les mains levées. Et deuxièmement, il fallait que les enfants d'Israël aient toujours l'épée en main. Alléluia. Il y a deux choses qui avaient donné la victoire aux enfants de Dieu. Les mains de Moïse, l'épée dans la main du peuple de Dieu. Et c'était l'image de ce qui nous donne la victoire. Nous qui sommes chrétiens sur le péché, voici. Si vous regardez Moïse, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait Aaron et Hur qui soutenaient ses mains, il était comme ça. Et Moïse avait les mains levées. C'était une préfiguration du fait que Jésus-Christ allait être crucifié. Il allait avoir un brigand à sa gauche, un brigand à sa droite. Et tant que Jésus-Christ crucifié allait continuer d'être prêché, les enfants de Dieu, eux, ils doivent avoir dans leurs mains l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et ils vont toujours avoir la victoire sur le péché. Alléluia. Jésus-Christ crucifié, il intercède pour nous jusqu'à aujourd'hui, à la droite du Père. Mais son intercession ne suffit pas pour nous donner la victoire. Il faut que nous aussi, comme Paul l'a dit dans Éphésiens 6, on prenne l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et qu'on se batte. Alléluia. Ça veut dire quoi? Même si Moïse, Aaron et Hur avaient gardé les mains levées longtemps, et que les enfants d'Israël n'étaient pas allés chercher des épées, on les aurait tués sur le champ de bataille. Et on allait avoir l'impression que c'est Moïse qui ne fait pas son travail. Et c'est comme ça, quand les chrétiens chutent bêtement dans le péché, les gens accusent Dieu. Quand on voit certains chrétiens qui chutent, qui tombent dans les œuvres de la chair facilement, et d'autres qui ne tombent pas, notre ignorance fait que parfois on se dit, Dieu lui a fait une grâce particulière. Il a fait 7 ans, il n'a pas couché avec une femme. On dit, c'est une grâce particulière. Depuis qu'il a reçu, il n'est plus jamais tombé dans l'ivrognerie. On dit, c'est une grâce particulière. En disant que le frère X a chuté parce qu'il n'a pas reçu une grâce particulière. Et que le frère Y ne chute pas parce qu'il a une grâce particulière. On est en train de dire que Dieu est injuste. Et que Dieu donne une grâce particulière à certaines personnes pour ne pas pécher. Et puis d'autres, il ne les donne pas. Et à la fin, les deux, il les juge les deux. C'est quel Dieu ça? Ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas votre Dieu. C'est un mauvais raisonnement, c'est un faux raisonnement. Vous voyez un enfant de Dieu qui tombe dans le péché, c'est qu'il ne s'est pas battu. Je rembobine. Si vous voyez un enfant de Dieu qui tombe dans le péché, c'est qu'il a eu une défaite. Il ne s'est pas bien battu. Ce n'est pas la faute de Moïse. Moïse a toujours les bras levés. Ce n'est pas la faute de Jésus-Christ. Il intercède toujours pour nous jusqu'à aujourd'hui. Il continue d'intercéder pour nous à la droite du Père. Arrêtez d'accuser Dieu de ne pas vous avoir donné une grâce particulière. À partir du moment où tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de grâce en toi. Tu as l'Esprit de grâce en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même, il est l'Esprit de grâce. Il n'y a pas une grâce qui est supérieure que le Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit automatiquement la capacité de se battre contre le péché. Se battre. Et comment est-ce qu'on se bat? Avec l'épée. Les enfants d'Israël se battaient avec l'épée. Et l'épée, c'est l'image de quoi? La parole. La parole. Et bien aimé, nous sommes dans un temps où les chrétiens qui ne vont pas aller chercher des épées, les chrétiens qui ne vont pas chercher la parole, vont mourir dans le péché. Mourir esclaves des démons. Même si on prie pour eux 10 fois avec de l'huile d'olive. Nous sommes dans un temps où le combat spirituel est tellement intense que chacun doit chercher une épée. Chacun doit chercher la parole de Dieu pour se battre lui-même. Un prédicateur peut prier pour toi pour chasser un démon. Mais un prédicateur ne peut pas prier pour toi pour chasser l'envie de te masturber. On peut prier pour toi pour chasser un démon. Mais on ne peut pas prier pour toi pour chasser de toi l'envie de rentrer en communion avec les démons. Un démon qui est venu posséder une personne, on peut chasser le démon. Mais une personne qui s'en va posséder un démon, on ne peut pas chasser la personne. À chaque fois que tu décides de pécher volontairement, tu es en train de dire, démon qui est derrière ce péché, je t'aime, j'aimerais faire ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Chaque péché commis volontairement est une demande en mariage à un démon. My God. Chaque péché commis par un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, à chaque fois que tu pèches avec la connaissance, tu es en train de demander à un démon, est-ce qu'il veut t'épouser? Et ça, un prédicateur ne peut pas arrêter ça. Une imposition ne peut pas arrêter cela. Je parle à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont chrétiens. Nous sommes dans le temps où chacun doit se demander, est-ce que j'ai une épée? Est-ce que j'ai assez de connaissances de la parole pour résister au péché? Est-ce que j'ai assez de connaissances de la parole
pour ne pas me laisser vaincre par les œuvres de la chair. Est-ce que j'ai assez de connaissances de la parole? Est-ce que je connais assez la parole de Dieu pour vaincre le péché? Et regardez un passage. On va commencer à voir maintenant le mystère de l'épée. Allons regarder Luc 22. À partir du verset 35. Luc 22, à partir du verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. Mm-hmm. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, mm-hmm. et que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Mm. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Verset 38. Il dit, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, cela suffit. Ah, alléluia. Voici une conversation étrange, pleine de mystères, que Jésus a eu avec ses disciples à l'approche de sa mort. Et comme à l'époque, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient pas compris le sens spirituel de ce qu'il était en train de leur dire. Ils pensaient que Jésus parlait d'une épée physique. Quand Jésus leur disait, quand je vous ai envoyé la première fois en mission, dans les débuts de votre conversion, vous vous rappelez? Vous vous rappelez les débuts de votre conversion quand je vous ai envoyé? Jésus leur a dit, vous vous rappelez non? Je vous ai dit, ne prenez rien, vous êtes sous la grâce. Maintenant j'ai dit, achetez bourse. Que celui qui n'a pas une épée vende son habit pour acheter une épée. Parce que ça a chauffé. Bien-aimé, peut-être que tu as été dans un temps de ta vie où le Seigneur t'avait dit non, ne prends rien, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je te garde, dors, mange, je te garde. Il te dit aujourd'hui, ne médite pas, je te garde. Il te dit aujourd'hui, on est arrivé dans un autre temps. Le même Dieu hier qui t'a dit ne prends pas, aujourd'hui il te dit prends. Le même Dieu hier qui t'a dit ne fais pas de long jeûne, aujourd'hui il te dit fais. Le même Dieu qui t'a dit tu n'as pas besoin de lire beaucoup la Bible, aujourd'hui il te dit lis beaucoup. Le même Dieu qui te disait hier tu n'as pas besoin de prier 3 heures, il te dit aujourd'hui il faut faire ça. Et quand il te dit ça, tu peux penser que c'est le diable qui te parle. Qui actuellement vit ça? Où il reçoit de faire des choses qu'il ne faisait pas dans sa vie chrétienne avant et puis il se demande est-ce que c'est Dieu? Ok. Et vous avez dit ce soir, Dieu veut vous répondre. Quand le Seigneur leur a dit que ce qui est plus important dans tout, c'est l'épée. L'épée. Il dit, même s'il faut vendre ton âme, même s'il faut te promener nu pour avoir une épée, il faut faire ça. Et ils pensaient qu'il était en train de parler d'une épée physique. Et Jésus-Christ les a laissés croire ce qu'ils croyaient. Il lui a apporté 2 épées physiques. Il dit, Seigneur, nous on a 2 épées ici. Jésus dit, c'est bon. L'apôtre Pierre était encouragé. Il dit, voilà, Jésus a donné son ok, on va couper l'oreille des gens ici. Puis il a pris une épée, il l'a cachée sur lui. La Bible dit que quand les soldats sont venus attraper Jésus, Pierre a fait sortir son épée. Il a coupé l'oreille d'un soldat. Bah! Et puis il regarde Jésus, il attend la félicitation. Il dit, Seigneur, il est coupé, tu es défendu là. Il fait comment? Jésus dit, Pierre, range ton épée. Celui qui vit par l'épée, mettez-vous à la place de Pierre. Moi, si j'étais Pierre, j'ai dit, Seigneur, tu es hypocrite. Et parce que tu vois les gens, tu dis ça. Tout à l'heure, tu nous disais quoi? C'est parce que tu vois qu'il y a les gens. C'est parce que tu vois les gens, tu dis ça. Quand les soldats étaient pas là, c'est pas toi qui nous disais, on n'a qu'à prendre une épée pour garder sur nous. Épée, là, on fait quoi avec ça? Bien aimé, épée, c'est pas couteau. Hein? Couteau, on prend ça pour préparer. Épée, c'est une arme de guerre. Ça équivaut à pistolet aujourd'hui dans notre génération. C'est une arme de guerre. Donc si quelqu'un te dit qu'il faut prendre pistolet, c'est pas pour tuer poulet. Si quelqu'un te dit qu'il faut prendre un fusil pour garder sur toi, c'est pas pour tuer une mouche. Les apôtres ne comprenaient plus le comportement de Jésus. Attends, toi, tu nous as donné un puissant message sur épée tout à l'heure. Tu dis, on t'a dit on a 2, tu dis c'est bon. C'est parce que tu savais qu'on allait venir te capturer.
Maintenant, moi, je te manifeste mon amour. Je te défends, tu me réprimandes. C'est quel Dieu ça? Je vais vous dire quelque chose. Plusieurs d'entre vous, Dieu va commencer à vous réprimander parce que vous avez dénoncé certains pécheurs. Je rembobine. Vous qui êtes chrétiens, plusieurs d'entre vous, dans vos cœurs, dans vos songes, vous allez commencer à vivre des expériences avec Dieu. Dans vos moments de prière, Dieu va commencer à vous réprimander parce que vous avez coupé l'oreille à certaines personnes qui s'étaient mal comportées. Avec quoi? Avec la parole et la doctrine. Le Seigneur va commencer à vous faire. Et vous allez vous demander, mais Jésus, tu veux quoi? Si Dieu n'a qu'à dénoncer le péché. On dénonce maintenant si Dieu n'a pas l'amour. Tu veux quoi? Tu nous veux quoi? Jésus dit, Pierre, range ton épée. Vous savez, pourquoi est-ce que le Seigneur peut réprimander un chrétien parce qu'il a dénoncé le péché? C'est parce que le Seigneur peut faire ça si tu dénonces le péché dans le but de défendre Jésus. Je rembobine. Ce que j'ai dit, c'est profond. Essayez de comprendre. À chaque fois que tu vas poser des actions dans le but de défendre Dieu, Dieu va te réprimander. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre avocat. Nous ne sommes pas les avocats de Jésus. Alléluia! Nous ne sommes pas les défenseurs de Jésus. C'est lui qui est notre défenseur. Donc à chaque fois que tu vas essayer de prendre la défense de Dieu, devant les hommes, ils vont te féliciter. Mais le Saint-Esprit va te réprimander. Et combien de fois, moi-même, je n'ai pas fait ça à mon frère. On a vu des gens qui prêchaient des fausses doctrines, qui faisaient des bêtises. On dit, on s'en va dans les assemblées pour les dénoncer. On s'en va prendre la défense de Jésus. Ils salissent le nom de Jésus. On va prendre sa défense. Et on est venu dans les églises de certains faux pasteurs. On parle avec la confrontée. Babylone. Et puis les gens nous acclament. On dit, ouais, les frères dénoncent. Wow. Et des mois après, tu es en train de prier. Et puis tu commences à sentir une sécheresse spirituelle. Tu ne reçois plus de révélations de Dieu. La présence de Dieu ne te visite plus. Tu ne reçois plus d'éclairage même sur les Écritures. Tu commences à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et le Seigneur te dit, je reconnais ton zèle. L'église d'Éphèse, je sais que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres qui ne sont pas, tu les as trouvés menteurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as voulu me défendre. Seigneur, donc te défendre, c'est pas bon. Il dit, oui, c'est pas bon. Chacun doit jouer son rôle. Tout ce que tu vas faire dans le but de me défendre, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé, c'est de l'orgueil. C'est la chair. Et tu seras mesuré avec la même mesure dont tu te seras servi. La chair. Comme les anglophones disent, de flèche. À flèche. La chair. La chair ressemble souvent à l'amour de la parole. L'amour de la vérité. Les gens prennent l'épée. Il y a des gens qui ont coupé l'oreille de certains frères en Christ. Avec la doctrine. Au point où ses frères ne veulent même plus les écouter. Quand tu réprimandes mal quelqu'un, la personne ne veut plus t'écouter. N'est-ce pas? Tu lui as coupé l'oreille. Ah. Il y a des gens, on leur dit, quand on lui parle, il ne m'écoute pas. Mais c'est normal, tu as déjà coupé son oreille. Il va t'écouter quoi? La manière dont tu l'as approché la première fois, ta manière de faire, il n'y avait pas un esprit de douceur. Et puis tu veux après qu'on t'écoute. C'était un esprit de dénonciation, d'accusation, de condamnation. Et puis tu veux que ces personnes-là te coûtent. Imaginez-vous, Pierre coupe l'oreille de Malchus et puis il dit, il va te parler à l'oreille. Ça, c'est pas la provocation, ça. Vous agressez des gens, vous leur montrez aucun amour quand ils pêchent. Et après, vous dites, on te convoque aux réunions. Il dit, il ne vient pas, vous dites, il est rebelle. Les véritables rebelles, c'est eux qui utilisent l'épée pour faire du mal aux gens. Alléluia. Les rebelles, c'est eux qui utilisent l'épée pour blesser, pour couper les oreilles. Les rebelles, c'est eux qui utilisent la doctrine pour blesser des frères, pour humilier les gens. C'est eux qui sont les rebelles. C'est eux les vrais rebelles. C'est eux les vrais rebelles. C'est eux les vrais rebelles. Jésus a dit à Pierre une parole pleine de sens. Une parole à double sens. Mais je dirais même à triple sens, comme il a l'habitude de le faire. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Ce que tu as l'habitude d'utiliser l'épée pour faire, on va te faire la même chose. Ce que tu as l'habitude d'utiliser la doctrine pour faire, un jour, on te fera la même chose. La même chose. La même chose. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jésus ne leur parlait pas d'une épée physique. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et ils pensaient que Jésus parlait d'une épée physique. Non. Il leur disait que
le niveau de révélation de la parole de Dieu que vous avez actuellement, c'est trop bas par rapport à vos combats. Le niveau de connaissance de la parole que vous avez actuellement ne vous permettra pas d'avoir la victoire sur les démons, sur les œuvres de la chair. Cherchez la parole. Que celui qui manque de parole, s'il faut même vendre ses habits pour acheter des livres chrétiens pour les lire. Que celui qui sait qu'il manque de connaissance d'un domaine, s'il faut même vendre sa télévision pour acheter une connexion internet pour écouter des prédications, qu'il le fasse. Le Seigneur est en train de parler des sacrifices que ses disciples doivent être prêts à faire pour acquérir plus de connaissance de la parole. Parce que c'est ça qui va nous aider à avoir la victoire dans le combat spirituel. Je vous assure. Je vous assure. L'épée de l'esprit, ce n'est pas vidéo YouTube. C'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, ce n'est pas la main d'un prédicateur. L'épée de l'esprit, ce n'est même pas le don de prophétie. L'épée de l'esprit, ce n'est pas l'onction prophétique. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et il y a des combats dans lesquels vous allez vous retrouver. Dieu ne va rien vous dire, pas vous parler. Tu vas crier, Seigneur, Seigneur, défends-moi. Et quand tu vas regarder derrière toi, tu vas voir Jésus, il est sur la croix, les mains levées comme ça. Tu dis, Seigneur, on m'attaque. Il est comme ça. Chacun fait son travail. Moi, mon travail, c'est de rester crucifié. Toi, ton travail, c'est de citer la parole. Lorsque Satan est venu attaquer Jésus, avec quoi est-ce qu'il a répondu? La parole. Jésus a fait sortir l'épée. Il est écrit. La Bible dit que Satan place une, Jésus sort l'épée. Satan dit à Jésus, fais quelque chose, Jésus sort l'épée. Imaginez-vous si Jésus avait oublié tous ces versets bibliques. Qu'est-ce qui allait lui arriver? Donc, avec toute son onction. Satan le prend et le transporte sur le haut du temple. Il dit, jette-toi, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Et Jésus, il a pris une épée et il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah. Bien-aimé, le plus haut niveau de combat spirituel, ce n'est pas le combat de la prière, c'est le combat de la parole. C'est quand tu es capable d'être couché sur ton lit, tu sens qu'il y a un démon, il y a un esprit qui vient t'attaquer. Et puis tu ne dis pas, Jésus, au secours, ça c'est prière des peureux. Je vous dis la vérité. Oh Dieu, au secours, au secours. Qui se rappelle, moi ça m'est arrivé quand je ne connaissais pas ce que je suis en train de vous dire. Qui s'est déjà arrivé? On t'attaque, tu dis au nom de Jésus et puis les démons font comme s'ils n'entendent pas. Ça continue même. Parce que ce ne sont pas tous les démons qui se chassent au nom de Jésus, je vous assure. Il y a des démons qui se chassent au nom des Écritures. Comme Satan. Satan ne peut pas le chasser au nom de Jésus. Lui-même il s'appelle Jésus. Satan se fait appeler Jésus et il se fait adorer dans beaucoup d'endroits. Donc ce mot-là ne le ferait pas. Le mot Jésus ne peut pas chasser Satan. Satan se fait appeler Jésus. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en messager de lumière. Il se déguise en Christ. Et quand tu lui demandes qui es-tu, il dit je suis Jésus. Moi j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vécu ça dans une vision. Il y a un démon qui m'a attrapé comme ça. Je ne voyais pas son visage. Je sentais une main qui m'a serré. J'étais couché sur un lit. Il dit tu es qui? Il dit je suis Jésus. Il m'a dit ça. C'est ce jour su que ce n'est pas tous les démons qui ont peur le mot Jésus. Hein. Il y a tout, c'est leur nom même. Il m'a attrapé, il dit qui es-tu? Il dit je suis Jésus. Il dit quel Jésus? Il dit Jésus que tu connais. Il m'a dit ça. Mais la peur qui m'inspirait, la violence avec laquelle il me saisissait, c'est vrai que c'était pas mon Jésus. Mon Jésus est doux. Jésus a dit je suis doux et humble de cœur. Le manque de douceur fait que j'ai discerné que c'était pas Jésus. Il dit non. Mon Dieu est doux. Depuis que je connais Jésus, il n'a jamais crié sur moi. Depuis que je connais Jésus, il n'a jamais crié sur moi. Il n'a jamais crié sur moi. Jésus peut parler comme ça. On n'est pas ennemi. Et même ses ennemis, même Caïn qui est son ennemi, il vient et dit, où est ton frère? Quand Caïn a tué Abel, la Bible dit que Dieu est venu et dit, où est ton frère? Son sang crie jusqu'à moi. Dieu est trop brisé pour crier si les gens. Alléluia! Ce manque de douceur a fait que c'était un démon. C'est pour ça, souvent, il me rappelle, une femme est venue me voir un jour, elle dit, vraiment, ouais, j'ai un problème, il y a quoi? Elle dit, le Saint-Esprit me chicote quand je dors la nuit. Il dit, attends, faut t'asseoir. Il dit, il faut boire l'eau. Il dit, peut-être que tu avais soif. Tu dis, qui t'a fait quoi? Elle dit, le Saint-Esprit me chicote. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce qu'il ne veut pas faire son œuvre. Il ne veut pas faire son œuvre. Donc, quand je suis dans sa présence là, il me tape. Il dit, si je ne fais pas mon œuvre, elle te frappe. Puis, il me chicote. Ouais, fais mon œuvre. Il dit, ma soeur, tu sais, c'est pour ça qu'on vous dit de lire la Bible. C'est pour éviter les bêtises comme ça. Le Saint-Esprit ne peut jamais te chicoter.
parce que tu ne veux pas faire son œuvre. Jamais de la vie. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de crier, Seigneur, utilise-moi. Et puis il va venir chicoter quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'utilise quand même. Quand même. Il te chicote. Et il te chicote quoi? Il dit, c'est pas, ils sont comme si on la frappe. Il dit, c'est des démons. C'est sûrement un esprit de python qui veut te pousser à aller faire des bêtises au nom de Jésus. C'est pas mon Dieu. Mon Dieu est doux et aime le cœur. Bien-aimé, il y a des démons comme Satan qui ne se chassent que par la citation de la parole. Jésus a cité les Écritures. Et c'est ça qui a chassé Satan. Il n'a pas dit, pas! Beaucoup d'entre vous, si vous étiez Jésus, vous avez fini 40 jours de jeûne. Et Satan vient devant vous. Votre première réaction, j'évoque le feu! Satan m'a regardé derrière, il a dit, hi! Je suis venu juste pour qu'on parle. Satan a dit, j'invoque le sang. Il a dit, oh Dieu, secoue-moi. Satan m'a dit, mais sois calme, c'est Dieu même qui m'a envoyé. J'ai déjà reçu plusieurs chrétiens qui disent, on me poursuit en songe. J'ai dit au nom de Jésus, on me continue de me poursuivre. On me tape en songe. J'ai dit, Jésus, ça fait. Il a dit, mais c'est normal. Celui qui est venu te taper s'appelle Jésus. Tu dis, Jésus, ça l'encourage. Pourquoi tu es en train de l'encourager? Jésus, Jésus, puis tu frappes. Jean allait au ciel. Il dit qu'il a vu Jésus sur un cheval blanc. Il a regardé sur sa cuisse. Ils ont écrit son nom. On dit, son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. J'ai dit, quand tu es vide de la parole de Dieu, tu es ignorant de la parole de Dieu, et que tu dis Jésus, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Le mot Jésus dans la bouche d'un ignorant de la parole de Dieu est inutile et inefficace. Les démons voient ça même plus comme des paroles d'encouragement. Pour qu'ils continuent. L'épée de l'esprit, ce n'est pas le monde de Jésus, hein, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez des épées, les gars? Est-ce que vous avez assez d'épées? Les épées ont différentes tailles, bien aimés. Il y a des épées de 50 cm. Il y a des épées de 1 mètre. Il y a des sabres. Des épées qui tournent comme ça. En fonction du combat dans lequel tu veux t'engager, tu prends l'épée qui va avec. Alléluia. Et c'est comme ça. La parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, il y a beaucoup de révélations. Et en fonction du combat dans lequel tu dois t'engager, tu dois savoir exactement quelle révélation de la parole je dois saisir de mon cœur pour affronter cette situation. Et c'est un exercice. On s'exerce à cela. On s'exerce. On s'exerce. On s'exerce. À chaque fois qu'un membre de ma famille tombe malade, il y a une épée que je prends pour me battre contre la peur qu'un de mes proches meure avant le temps. Un passage dans Psaume qui dit, c'est lui qui prend nos iniquités, qui guérit nos maladies. Il y a 3 jours, Dieu s'est puissamment manifesté. Si j'arrive à la maison, je vois un message de ma femme. Elle dit, le fils, notre fils est aux urgences, il fait 40 degrés de fièvre. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, ne fais rien. Envoie-le juste à l'hôpital. Viens faire le reste. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est toi qui pardonnes nos iniquités et qui guérit nos maladies. Je mets ma foi dans cette parole, dans cette épée. Et je te demande simplement que tu guérisses mon fils. Sinon, je ne pourrais pas venir prêcher la conscience tranquille au Cameroun. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à ma femme. Je n'ai même pas voulu savoir aux gens ce qu'ils ont dit là quoi. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message. J'ai dit, comment il va? Elle dit, il va très bien, il est en train de jouer. Que les médecins même disent qu'ils ne savent pas il a quoi, mais la fièvre est partie comme c'est venu. Souvent, il y a certaines situations qui nous arrivent et on panique, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on a oublié ce que Dieu nous a enseigné. On ne s'appuie pas sur la parole en fait. Entre la Bible dit que la parole de Dieu est un bouclier, c'est un refuge. Quand tu as des moments de difficulté, tu dois trouver un verset qui parle de ta situation et mettre ta foi dessus. Et puis rester dedans, rester calme. L'épée de l'esprit, ce n'est pas la prière, c'est la parole de Dieu. Chaque situation difficile par laquelle tu passes, tu dois connaître une parole de Dieu. Tu dois chercher dans la Bible, à travers des prédications,
à travers des livres chrétiens, chercher dans la bouche de certains aînés une parole à propos, une parole sur laquelle tu pourras t'appuyer pour résister pendant le mauvais jour. Si vous n'apprenez pas à faire cela et que vous êtes seulement en mode, faut prier pour moi, faut prier pour moi, faut prier pour moi. Vous savez, nous les prédicateurs, on est gentils. On est gentils. Je dis, faut prier pour moi. Je vais prier pour toi. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est pas moi qui guéris. C'est Dieu. J'essaie de prier pour les gens, mais il ne sait pas guérir les gens. Quand il dit, faut prier pour moi, je vais prier. Mais si jamais le problème que tu as, ce n'est pas la prière qui est la solution, mais que c'est plutôt la parole. Tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre mon temps. Et nous perdons nos temps les uns les autres. On prie pour tout le monde. Mais j'aimerais que vous arriviez à un autre niveau de compréhension de réalité spirituelle. Il y a des problèmes qui vont disparaître de vos vies quand vous allez avoir une révélation de la parole de Dieu. Quand vous allez lire un passage, Dieu va vous éclairer. Vous allez faire, hey, il n'y a jamais vu ça comme ça. Vous êtes délivré en même temps. C'est une position des mains. Il y a des éclairages quand vous allez avoir ça. Bien-aimé, j'étais poursuivi par une de mes parentes qui est sorcière en songe depuis des années. Régulièrement, je fais les songes. C'est toujours elle qui me poursuit, même quand ce n'est pas son visage. Elle va se débrouiller à la fin du songe. J'ai fini par savoir que c'est elle. Donc, dans la réalité, même quand je la vois, j'avais peur d'elle. Quand je la vois, elle la salue. Bonjour, quand elle me dit de ma main, je l'évite toujours. Il va devenir chrétien, il continue ça. Quand il sait qu'elle est à la maison, il va me promener, durer dehors. J'appelle, allô, elle est partie. On dit, oui, dit, ok, peut rentrer chez moi. J'avais peur d'elle. Jusqu'à ce que je suis en train de lire ma Bible un jour, je tombe sur un psaume où David dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Et j'ai dit, je suis resté sur le verset. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. J'ai pris ce verset-là comme une épée. J'ai mis ma foi dedans. Je dis, David était sous la loi. Il faisait le pardon de ses péchés avec le sacrifice des animaux, le sang des animaux. Moi, je suis dans la nouvelle alliance. C'est le sang du Fils de Dieu qui m'a racheté. Et puis, je fuis devant mes ennemis. C'est foutaise. Je me suis révolté. Il dit, je l'attends au prochain songe. Je vous assure, quelques jours après, j'ai fait un songe, je la vois encore. Elle fonce sur moi, elle court sur moi. Je me suis arrêté, j'ai cité, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Elle s'est arrêtée devant moi, regardez comme ça. Je ne l'ai plus jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai plus jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Même quand je me suis marié, je l'ai appelée pour l'inviter à mon mariage. Elle dit, elle ne vient pas. J'ai dit, elle est venue connaître chez toi. Elle dit, elle ne veut pas. Elle dit, fais, on se voit. Elle dit, elle ne veut pas me voir. À cause d'un seul psaume, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Peu importe ce qui vous fait peur dans la vie, peu importe ce qui vous domine dans la vie, il y a dans la parole de Dieu une parole qui peut vous rendre libre de cela. Cherchez ça de tout votre cœur. Ne cherchez pas plus la prière, l'imposition des mains, cherchez plus la parole. Ça va vous donner une victoire éternelle. Je peux prier pour toi aujourd'hui, tu es délivré aujourd'hui, même si le démon revient dans un mois, je suis à Abidjan, tu vas m'invoquer. Je vais prier, moi, chasser le démon. Il va revenir. Jésus dit que quand un démon est chassé d'un corps, il revient pour voir quel est l'état de la maison où il habitait. S'il revient, qu'il ne trouve pas l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, il va prendre cet autre esprit plus méchant. Il va venir te posséder encore. Et le prochain programme, l'année prochaine, il va venir te délivrer encore. Et je vais partir. Et dans 2 ans, il va revenir te posséder encore, délivrer encore. Moment, il faut se révolter. Pourquoi tout c'est moi en délivre? J'ai quel problème? Un moment, il faut réfléchir à sa vie. On a déjà chassé les démons de ton corps plus de 2-3 fois. Il faut t'asseoir, faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? C'est quand ma délivrance va finir? Je veux l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le voleur le plus audacieux de tous les temps, s'il rentre dans une chambre où il voit 2 calaches, 2 fusils, il sort. Sans qu'on lui ait dit sort. N'est-ce pas? Je me rappelle, dans notre quartier, il y a un monsieur qui était gendarme. On habitait sur un immeuble, le cachet de ma mère. Et il y a un voleur qui voulait venir voler chez la voisine du haut. Il avait déjà ciblé. Et puis il s'est trompé, il est allé juste
dans le balcon qui est en bas, c'était chez le gendarme. Il est rentré dans la maison. Il a vu Tréhi. Il est sorti. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il est sorti. Et le monsieur a entendu des bruits au salon. Quelqu'un qui est en train de bruits, il est sorti avec son pistolet. Et il a vu le gars, il a pris. Il a frappé, ils ont réveillé tout le bâtiment. Et c'est le voleur après qui se dit non, qu'il s'excuse, c'est pas ici, il voulait venir. Tout ça. Il y a des démons qui se promènent dans les quartiers cherchant qui possédait. S'il arrive chez toi, qu'il voit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, il tire le drap, il met sur toi et dit bon. Alléluia! La connaissance de la parole nous rend effrayants pour les démons. La connaissance de la parole fait que les démons s'éloignent de nous sans qu'on dise au nom de Jésus. Et Jésus a dit à ses disciples que celui qui n'a pas une épée, même s'il faut vendre ses vêtements pour acquérir. Dans Proverbe, Salomon dit, cherche la sagesse, cherche la connaissance plus que tout, plus que l'or et l'argent. Poursuis-la comme on poursuit un trésor, car c'est ça qui sera ta vie. C'est ça qui va te garder en paix sur la terre. La connaissance. La connaissance. Ton niveau d'amour pour la Bible va déterminer ton niveau de liberté sur la terre. Ton niveau d'amour pour les Écritures, pour la parole de Dieu, va déterminer ton niveau d'assurance dans la vie. Je connais des personnes, des chrétiens, quand tu rentres dans leur bureau, ils ont collé des versets partout. Avant, je trouvais ça Chanel. Quand tu rentres chez eux, il y a un psaume ici, il y a un Mac ici, il y a un Matthieu. Dans chaque pièce, il y a un verset. Je trouvais ça Chanel. Et dans mon cœur, il me moquait. Oh, c'est la même chose. Chanel, la chair. La chair. Et un jour, je suis rentré chez une maman, une femme qui sert le Seigneur, que je respecte beaucoup. Et je sais qu'elle n'est pas Chanel quand même. Mais je rentre dans son bureau, je vois, il y a un verset ici, il y a un verset ici, il y a un verset partout. Il dit, maman, vraiment, il y a une préoccupation. Il y a une pratique que je vois depuis que je suis petit. Il y en a même mettre autocollant sur leur porte. Moi et ma maison, nous servirons l'État. Il dit, maman, je veux comprendre. Pourquoi est-ce que tu mets les versets partout? Que je vois beaucoup de chrétiens faire ça. Elle dit, à force de voir quelque chose, tu retiens. À force de regarder quelque chose, tu retiens. Et que David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ce qui donne la victoire sur le péché, c'est la parole que tu as serrée dans ton cœur, que tu as retenue, ce qui est en toi. Tu peux écouter une prédication comme ça et puis tout oublier quand tu pars à la maison. Tu as tombé dans le péché. Mais si tu as serré, tu as gardé, tu as retenu, tu as mémorisé, quand le péché, la tentation va venir, tu vas faire sortir la parole, la tentation va fuir. Elle dit, c'est pour ça que je mets ça partout. Comme ça, quand je vois comme ça, à force de voir, elle dit, je retiens. Et quand je retiens un verset, je décoche, j'écris un autre que je ne connais pas. Souvent, on voit des gens faire des choses, on est pressé, on dit, ils sont Chanel. Parlons avec les gens. Alléluia. Ça aussi, ça marche. Ceux qui veulent faire ça, ceux qui ont ça à cœur, faites ça. Il faut qu'on aime la parole de Dieu plus que tout. C'est ça qui va nous donner les victoires constantes par rapport au combat spirituel. Et ayez le réflexe, même dans vos songes, de citer la parole. Vous allez voir, chrétien. Essayez, ça marche. Je vous dis. Quand vous faites un souvenir d'attaquer, souvenez-vous d'un passage qui parle de la victoire que Dieu donne à ses enfants. Citez-le. Vous allez voir la réaction des démons. Vous allez venir me rendre témoignage. Parce que parfois, quand je dis, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, c'est la manifestation de la peur. C'est la peur. Parfois, c'est pas peur quand on dit au nom de Jésus. Et les démons ressentent la peur. Et quand tu as peur, ils ne se soumettent pas à toi. Jésus dit que si quelqu'un dit à une montagne ou encore à un démon, parce que c'est de ça qu'il parlait dans le contexte, sors, ôte-toi de là, jette-toi. Il dit, s'il ne doute pas dans son cœur et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, c'est là qu'il le verra s'accomplir. Donc s'il dit, montagne, ôte-toi de là, et puis dans son cœur, il dit, et c'est la montagne va partir même. Jésus dit, il n'y a rien qui va se passer. S'il dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il va que ça ne va pas. Il dit, Jésus, t'as même vieux, Seigneur, au secours. Ce n'est pas le mot qui agit, c'est la foi. Si tu prononces le mot par peur, il n'y aura aucun effet. Mais si tu prononces le mot par la foi, il y aura un effet. C'est la foi qui chasse les démons, ce n'est pas les mots.
Il y a des délivrances que je fais. Peut-être que vous avez déjà peut-être remarqué, je vais pas parler, je vais juste regarder la personne. C'est biblique, on peut chasser des démons avec des regards. Et plus tu regardes la personne, le démon s'en va. Il y a un passage dans le Proverbe que j'ai vu, c'est là que j'ai su cela. Il dit, le roi assis sur son trône dissipe tout mal de ses regards. Et même des mystiques souvent, on a eu des délivrances des personnes qui ont été envoûtées par un regard. La personne te fixe comme ça. Et puis te transmet une onction démoniaque. J'ai commencé à étudier les Écritures, j'ai vu comment est-ce que Dieu faisait ça. La Bible dit que quand les Égyptiens poursuivaient les enfants d'Israël, la Bible dit que Dieu a commencé à les regarder. Les chats de leurs pneus sont quittés. Lisez Exode, vous allez voir. Par un regard. Les amis, on est dans les derniers temps. Les combats spirituels vont s'intensifier autour de tous ceux et celles qui ont accepté Christ. Mais le combat, ça sera contre le péché. Que celui qui n'a pas d'épée vende tout ce qu'il a, qu'il achète une épée. Que celui qui sait, qui ne connaît pas, il connaît pas le minimum qu'il faut connaître de la parole de Dieu, applique à commencer à faire des études bibliques. Ça applique à commencer à chercher à connaître. Parce que c'est seulement comme ça que vous pouvez vous défendre seul quand vous allez traverser certaines situations où il n'y aura pas de prédicateur avec vous, il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas de frère, il n'y aura pas de soeur. Vous devez faire sortir l'épée de l'esprit et vous battre. Et votre Moïse, qui est Christ, ne vous inquiétez pas, il est sur la montagne, les bras levés. Il vous soutient, mais battez-vous. Alléluia. Okay. Maintenant, dernier point, j'aimerais parler d'une histoire dans Juges chapitre 3, verset 30. Le Seigneur est en train de plus en plus de susciter une génération de jeunes gens et de jeunes filles, d'hommes et de femmes, avec qui il va mener certains combats dans les nations. Et la particularité de ceux qui font partie de cette armée-là, dans cette génération, ce sont des gens qui ont l'épée dans leurs mains, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Et on va lire une histoire dans Juges 3, verset 31, où le Seigneur m'a éclairé sur un passage qui parle des gens qui font partie de cette génération, que j'appelle la génération de Shamgar. L'armée de Shamgar. Il y a un juge en Israël qui s'appelait Shamgar. On va lire son histoire, Juges 3, verset 31. J'aimerais demander ici aux femmes, aux hommes, aux jeunes qui aspirent au réveil et qui veulent faire partie de l'armée de Dieu, de redoubler d'attention. Vous qui voulez être des soldats de Christ, vous qui voulez faire partie de l'armée de Dieu qui va mener le dernier combat spirituel avant l'enlèvement de l'église, le dernier réveil qui est en train de se passer dans le monde. Je rigole quand je vois des gens prophétiser que le réveil va venir. C'est une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie. Actuellement, c'est une fausse prophétie. Lorsque Jésus-Christ était né en Israël, tous ceux qui continuaient de prophétiser autant que le Messie va venir étaient en train de donner des fausses prophéties. Parce qu'il était déjà venu. Le réveil a commencé, ça fait plus de 10 ans. Dans le monde entier, je vous assure. Le dernier réveil qui avait été annoncé dans Joël 2, qui avait été annoncé dans Actes 15, où le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il va rétablir la tente de David. J'ai dit, on est dedans, ça fait 10 ans. C'est certains d'entre vous qui ne vivez pas ça. Jésus un jour a pris avec ses disciples dans Jean chapitre 4. Il dit, les gars, il y a des gens qui vous prophétisent que la moisson va venir. La moisson va arriver. Mais moi, je vous dis, levez les yeux, regardez. Les feuilles blanchissent déjà. La moisson est en train de finir même. On vous distrait. On vous dit, le réveil va venir. Le réveil est là. On doit plutôt vous enseigner comment faire pour y participer. Alléluia. Tout ce qu'on a vécu depuis dimanche, c'est pas le réveil. À Abidjan, demandez aux fois Cyril est venu, la vie, c'est récurrent. Ce ne sont pas des expériences qu'on vit une fois par mois. On vit ça chaque semaine. Souvent même on s'ennuie. Au point où les frères, je les ai avertis, ils ont commencé à perdre le réflexe de glorifier Jésus quand il fait du bien à quelqu'un. Ils disent, si on fait pas attention, on tombe dans l'orgueil. Hein. On commence à s'habituer aux manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit délivre quelqu'un, on ne glorifie pas Jésus en l'air assis comme ça. Genre, il n'a rien fait d'extraordinaire. C'est dur de garder le cœur d'enfant dans le domaine des miracles quand tu as l'habitude de voir. Le réveil se passe dans plusieurs nations. Je peux vous montrer des vidéos en Argentine. Je peux vous montrer des vidéos au Chili. Je peux vous montrer des vidéos même en Arabie Saoudite, même au Pakistan. J'ai vu une vidéo d'un évangéliste argentin qui allait évangéliser là-bas des milliers de musulmans en public au Pakistan, pas loin d'une mosquée. On levait leurs mains, on acceptait Jésus en pleurs. Et il y avait des gens qui étaient sourds. Le Seigneur les a fait entendre. Des gens qui étaient aveugles, ils ont vu au Pakistan. Et si toi, tu ne lèves pas les yeux, tu regardes seulement les frères,
Ça dit, Seigneur, envoie le réveil. Le Seigneur te dit, mon petit, ta prière n'est pas bonne. Faut dire, Seigneur, montre-moi où le réveil se trouve. Sinon, le réveil est déjà sur la terre. La génération de Shamgar. Lisons Juges chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf et délivra Israël. Amen. C'est bizarre, hein? Ce monsieur, c'est tout ce qu'on dit de lui. C'est l'un des juges en Israël sur lequel il y a moins d'informations. Un seul verset nous parlait de lui. Un juge qui s'appelait Shamgar. Vous savez ce que Shamgar signifie en hébreu? À votre avis, on parle de quoi depuis là? L'épée. C'est son nom. Shamgar signifie l'épée en hébreu. L'épée. Il s'appelait l'épée, c'était son nom. C'était son nom, l'épée. Et vous savez, bien aimé, le Seigneur veut qu'on médite tellement les Écritures, on médite tellement la parole, au point où, dans le monde spirituel, lorsque les sorciers veulent parler de nous dans leur réunion, ils nous appellent les Écritures. Le Seigneur veut que tu médites tellement la Bible, la parole, que tu te remplisses tellement de sa parole, que lorsque tes ennemis, lorsque le diable, lorsque les démons vont décider de parler de toi, ils vont te surnommer la Bible dit. Le Seigneur veut qu'on s'enfonce tellement dans les Écritures que les gens nous surnomment avec le nom des Écritures. Est-ce que vous savez que les musulmans, dans le temps de réveil, dans les années au 20e siècle, vous savez comment ils ont surnommé les chrétiens? Essayez dans le Coran jusqu'à aujourd'hui. Ils appellent les gens du livre. Les musulmans appellent les chrétiens les gens du livre. Ça y est, dans le Coran, qui était musulman ici avant? Est-ce qu'il y avait un ancien musulman ici? Non? Mais qui sait ça? Ok. Certaines personnes savent ça. C'est comme ça qu'on nous appelle. Regardez pourquoi ils appelaient les chrétiens comme ça. Parce que quand ils parlaient avec eux, c'était il est écrit. Il est écrit. La Bible dit. La parole dit. La parole dit. On les a surnommés. La parole dit. Et voici Shamgar, on l'appelait l'épée. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, Paul disait aux chrétiens de Corinthe, vous êtes des lettres vivantes. Vous êtes des bouts des Écritures. Vous êtes des exemplaires de la Bible. Il disait ça aux chrétiens de Corinthe. Même des gens qui n'ont pas la Bible peuvent voir ce que Dieu pense d'un sujet en vous regardant parler, en vous regardant vous comporter. Le Seigneur veut qu'on arrive à un point où, quand vous arrivez à un point où, dans vos lieux de travail, dans vos écoles, dans vos maisons, dans vos quartiers, les gens puissent savoir ce que la Bible dit concernant un sujet, pas parce qu'ils ont lu la Bible, mais parce qu'ils vous ont lu. Le Seigneur veut qu'on soit des chrétiens à travers lesquels les gens qui sont en alphabet peuvent lire la Bible. Jésus veut qu'on devienne des chrétiens à travers lesquels les gens qui ne sont pas allés à l'école peuvent savoir ce que Dieu pense d'un sujet en nous regardant agir. Jusqu'à ce qu'on nous appelle Shamgar, l'épée. Et la particularité de Shamgar, c'est quoi? Quand on regarde en bas, on dit qu'il a battu 600 Philistins. Avec combien d'aiguillons? Combien d'aiguillons? Un seul aiguillon. 600 victoires. J'aimerais vous dire quelque chose. La connaissance d'un seul verset biblique peut vous faire gagner 600 combats spirituels. La révélation, une seule révélation, un seul réma, un seul éclairage de la parole peut vous donner la victoire 600 fois sur le même péché. Un seul aiguillon, 600 morts. 600 victoires. Un seul aiguillon. C'est quoi un aiguillon? Un aiguillon, c'est un morceau de bois au bout duquel il y a une aiguille. Les bergers utilisaient ça pour piquer les bœufs, pour les contraindre à aller dans la position que eux ils voulaient qu'ils prennent. Lorsqu'ils sont derrière les bœufs, et ils disent aux bœufs, allez à droite. Et puis les bœufs vont à gauche. Ils les piquent avec l'aiguillon. Et l'aiguillon pousse les gens à changer de voie. L'image de la repentance. L'aiguillon, c'est l'image des messages que Dieu va vous donner. Qui vont pousser certains de vos collègues païens. Certains de vos familles païennes. Certains de vos gens qui ne peuvent pas croire en Dieu. À changer de voie. À se repentir. Shamgar. Et avec une seule révélation de la parole, le Seigneur peut te faire gagner 600 âmes. Tu peux prêcher le même message 600 fois
Il y aura 600 conversions. Une conversion à chaque fois. Ce message que je vous ai prêché aujourd'hui, je le prêche depuis 2013. Avant qu'on commence à 18, je prêche ce message depuis 2013. Je ne sais plus aujourd'hui combien de personnes se sont converties à chaque fois que j'ai prêché ce message. Au début, je comptais. À un moment, je ne pouvais plus compter. Le même message, les mêmes versets, les mêmes victoires. Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de versets pour aller au ciel. Amen. Le peu que Dieu vous a donné là, cherchez à serrer ça dans votre cœur. Il y a beaucoup d'entre vous prenez note et vous serrez la parole dans votre cahier. Les notes que vous prenez restent dans le cahier. Et si le cahier n'est pas là, vous êtes incapable d'en parler seul. Or, le but de prendre des notes, c'est qu'il y ait un transfert du cahier vers ton cœur. C'est qu'après tu ailles réviser pour serrer la parole dans ton cœur. De sorte à ce que tu arrives à un point où si on ouvre le cahier, qu'on fait une interrogation orale, tu peux répondre à tout 10 sur 10. Tu mets le thème du message. On te dit, il prend ton cahier, il te dit, bon, ce message, donne-moi le résumé. Tu arrives à réciter. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est école. Ceux qui n'aiment pas l'école ne peuvent pas aller au ciel. La vie chrétienne, on étudie, on apprend. On apprend. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur, parmi ses apôtres, il a pris des analphabètes, mais il a inculqué l'amour de l'école, l'amour de l'étude. L'apôtre Pierre dont on parle, est-ce que vous savez qu'il était un illettré? Il était sans instruction, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Même son propre nom, tu lui demandes comment on écrit, il ne sait pas. Mais quand il a commencé à marcher à Jésus, il a commencé à s'instruire. Il n'était plus analphabète, il a écrit un Pierre, deux Pierres. Alléluia! Plus Pierre marchait avec Jésus, il a commencé à aimer l'école. Et le même Pierre qui était en alphabet avant, dans 2 Pierre chapitre 1, il dit maintenant aux chrétiens, je vous en prie, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la connaissance. C'est Pierre qui dit ça, il donne conseil à ses amis analphabètes. Nous, à Abidjan, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour vous les frères, là-bas on s'organise, on donne des cours d'alphabétisation. On donne des cours d'alphabétisation. Quand tu dis tu veux marcher avec Christ, on te pose question, tu sais lire, tu sais écrire, tu dis non, va à l'école. Tu ne sais pas lire. Viens, on va partir. En attendant, on te donne la Bible audio. Si c'est pas lire, on dit ça, écoutez. Non? Faut écouter. Après, il y a des cours d'alphabétisation, c'est gratuit. Pour que d'ici 6 mois, 1 an, la personne seule même peut chercher l'épée. Si la personne passe par des moments difficiles, par des combats, la personne ouvre le fourreau qui est la Bible, puis cherche une épée. Alléluia. Je dis ça pour ne pas que vous pensez qu'on est là, on fait vision, miracle sur mon bois. Shamga. On va lire notre information sur l'aiguillon de Shamga, qui est l'image des révélations de la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste 12, verset 13. Quelqu'un peut lire? Une fois, je peux lire, s'il te plaît. Celui qui a le micro. Oui. Qui a le micro? Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste 12, verset 13. Mm-hmm. Les paroles des sages sont comme des aiguillons mm-hmm. et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Amen. La Bible dit que les paroles de sagesse, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Donc ce verset confirme ce que je suis en train de dire. Les aiguillons, c'est l'image des paroles de sagesse que Dieu nous donne. Amen. Les images, comment on dit ça, les aiguillons, c'est l'image des paroles de sagesse. Les paroles de sagesse sont comme des aiguillons. Et bien aimé, si vous vous rappelez l'apôtre Paul, la première fois où Jésus lui a apparu, il a demandé qui es-tu, Paul. Paul a demandé qui es-tu. Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il a dit quoi après? Il te sera difficile de regimber contre qui? Les aiguillons. Alléluia. Le Seigneur dit à Paul, Paul, ce de quoi tu es en train de t'engager là, ça sera compliqué pour toi parce que tu fonces sur des aiguilles, ça va te blesser. Il dit, Paul, il te sera difficile d'attaquer, de combattre des aiguillons. Si tu es ici et que le Seigneur t'avait donné un appel, un ministère,
Il t'avait confié une charge. Tu avais commencé à faire. Et tu as arrêté. Parce que tu as l'impression qu'on t'attaque. Il faut te poser une question. Est-ce que j'avais assez d'aiguillons? Parce que les œuvres, les ministères, où il n'y a pas assez d'aiguillons, c'est facile de pouvoir les détruire. Mais à l'époque, Paul voulait s'opposer au premier grand mouvement de réveil spirituel qu'il y avait sur la terre, qui passait par l'église de Jérusalem. Il voulait attaquer, il voulait éteindre le réveil spirituel qui se passait à l'église de Jérusalem. Or, l'église de Jérusalem était composée de femmes, d'hommes et d'enfants remplis du Saint-Esprit et remplis de la parole de Dieu. C'était impossible de pouvoir les faire arrêter l'œuvre. C'était pas possible. Ni les diffamations, ni les persécutions. Ils ont même décapité Jacques. On dit que cela, ça les a encouragés même. C'était des fous. Vous qui facilement, quand vous commencez une œuvre du Seigneur et que vous êtes combattu, vous arrêtez. Remettez-vous en cause. C'est parce qu'il vous manque des aiguillons. Vous manquez de connaissance de la parole de Dieu. Et le fait que vous arrêtez, c'est bien. Ça montre que vous n'êtes pas encore assez mature. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est un combat spirituel. Même l'œuvre sociale. Même l'œuvre sociale. Même l'œuvre sociale. Même décider de s'organiser pour donner régulièrement de la nourriture, des habits à des pauvres. C'est un combat spirituel. C'est une œuvre hautement spirituelle. Il y a des sorciers qui maintiennent les gens dans la misère, dans la pauvreté. Et puis vous venez leur donner habit. Vous allez voir la nuit. Il y a des gens comme ils... des attaques. Ils disent, moi, je vais faire l'œuvre sociale. Écoutez bien. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas aller en évangélisation, moi, je peux faire le social. C'est la même chose. À partir du moment où tu fais une œuvre qui va détruire les œuvres du diable dans la vie de quelqu'un, tu deviens un ennemi de Satan et de ses démons. Et le diable aime la misère. Il aime voir les gens manquer du nécessaire. Il adore ça, c'est sa passion. Donc toute personne qui veut essayer de les aider, il faut être sûr que tu as assez d'aiguillons parce qu'ils vont t'attaquer. L'œuvre sociale est une œuvre très spirituelle. Il y a des fois, si vous êtes conduit par l'esprit, vous allez vouloir faire des dons d'un orphelinat. Dieu va vous dire non. Ne donnez pas de cet orphelinat-là. Tous ces dons-là, donnez ça à une seule famille dans tel quartier. Tu dis, mais Seigneur, les orphelins, les veuves, les orphelins, il y a les orphelins. Et puis, quelques mois après, tu seras en train de regarder au journal. On dit, une femme à la tête d'un réseau d'escroquerie a été attrapée. Elle partait voir les gens pour dire, s'occuper de vos enfants, ça vous fatigue, non? C'est trop cher. Donnez, je vais m'occuper. Donnez. Et puis, elle prend une main. Tu n'as pas remarqué que ton enfant n'est pas épanoui à la maison. Il a besoin de vivre avec d'autres enfants. Il va te décharger financièrement. Il y a des femmes qui font ça. Elles récoltent les enfants. Maintenant, elles déshabillent les enfants. Elles les mettent en caleçon. Et puis, elles disent, faites pitié. Les enfants sont quoi? Et puis, on leur fait photo. Et puis on met sur internet. Et puis on envoie en Europe. On dit, orphelinat, les enfants ont besoin de votre aide. Les enfants ont besoin de vos dons. Et puis maintenant, souvent, ils s'entendent là, les enfants. Je vais vous filmer. Quand j'appuie play sur la caméra, vous commencez à pleurer. Vous tous, celui qui ne pleure pas. J'ai dit, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Quand les enfants et les visiteurs viennent, ils ont leurs habits pour accueillir les visiteurs. Les habits de pitié. Et puis ils viennent. Vous connaissez le cœur des jeunes les derniers temps. Les gens sont devenus malhonnêtes. À un point où même pour faire du bien, tu es obligé d'être spirituel. Parce qu'il y a des pauvres qui ne sont pas pauvres. Parce qu'il y a des orphelinats qui ne sont pas des orphelinats. Leurs parents sont bien en vie. On dit orphelin. Mais son papa et sa maman sont en vie. Mais on dit il est orphelin. Je suis allé dans une ville de Côte d'Ivoire un jour. J'ai vu ça. J'ai entendu parler, on dit il y a une jeune fille qui a fait un orphelinat. Elle a moins de 24 ans. On dit elle a tout abandonné pour se consacrer pour aider les enfants orphelins, les enfants rejetés. Il dit, hey, ça m'a touché. Il dit, oh Yahweh. Je vais aller la rencontrer. Je me suis levé, c'est parti. J'arrive là-bas. On tape. On dit, elle n'est pas dispo, que là-bas, on ne vient pas les voir comme ça. On vient sur rendez-vous, on informe. Il dit d'accord, donc on a passé l'info, on dit demain, c'est-à-dire vous vendiez, il n'y a pas de problème. On est rentré dans la maison, on s'est assis avec un frère.
Tu vois les enfants, ils font pitié, pitié comme ça. Ils sont assis derrière comme ça, ils font pitié. La jeune fille est venue, elle s'est assise, elle a demandé comment. Il a vu les jeunes. Il dit, mais comment tu as reçu à cœur de faire ça? C'était une grande villa comme ça. Il dit, ah, comment tu as eu à cœur? Tu t'occupes de tous ces enfants, ils sont combien? Ils étaient environ 18. Il dit, ah bon? Comment tu t'occupes d'elle? C'est la grâce de Dieu. Dieu met aux gens à cœur de nous soutenir. Il dit, ah bon? Eh, hey, Yahweh. Elle m'a expliqué une belle histoire. Elle était à l'école. Et puis elle marchait, elle a vu un enfant dans la rue. Ça l'a touché. Quelque chose lui a dit, et si c'était ton enfant? Et puis elle a pris. Elle m'a expliqué une histoire. J'étais ému. Elle dit, oh! Elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Elle dit, il y a la rentrée scolaire bientôt. Les enfants n'ont rien. Il dit, mais comment tu fais pour payer le loyer? Elle dit, c'est la grâce de Dieu. Mais que j'ai mis aussi. Elle m'a dit qu'elle a mis en place un business où elle fait des courts-métrages. Qu'elle a ses caméras, tout ça. Elle fait des petits sketchs et puis elle vend les CD dans le village. Que ça, qu'elle s'occupe des enfants. Ça m'a touché encore. Elle dit, oh! Regarde comment elle se bat pour s'occuper des orphelins. Oh! Il dit, non, t'inquiète pas, on va t'aider. C'est pas normal. L'année prochaine, les enfants, on paye eux tous leur scolarité. On leur donne des sacs à dos, kakit. Je prends tout en charge. Je me suis fâché, ça arrivait à Abidjan. On était un programme. Il a parlé de ça, tout le monde qui était là. Il dit, les gens souffrent. On doit se cotiser, se mobiliser. Allez les aider. Les gens étaient touchés. Regarde ce que Dieu va faire. On s'était dit, bon, le prochain programme, on lève la cotisation. Quand le prochain programme est arrivé, je vous dis, nous tous, on a oublié. Personne n'a pensé à ça. On a fait le programme normalement, on est parti à la maison. J'avais oublié la fille, André, je ne l'avais jamais vue. Et la même semaine, elle m'appelle. C'est que j'ai vu son numéro, j'ai dit, les orphelins. Je m'en voulais, je disais, mais il n'est pas l'amour. Hein. Les gens souffrent, je les oublie comme ça. Oh, c'était Dieu. Il m'avait fait oublier. Il y a des gens que vous voulez aider, vous oubliez, c'est Dieu. Ah. Si Dieu veut que vous aidez quelqu'un, vous n'aurez pas le sommeil. Ça, la pensée sera là, persistante, même un inconnu. Quelqu'un qui dit, je veux l'aider, puis tu oublies. Il faut discerner, c'est Dieu peut-être. Quand il m'a appelé, il dit oui. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Il dit non. Le prochain programme, t'inquiète pas, j'ai ça que je vais lever une cotisation. Là. On paye la scolarité. Tous les enfants, fais-moi le point là. Quand il m'a donné le point, le frère qui habite dans sa ville, poussé par l'esprit, j'ai eu à cœur de lui dire, voici un point que la fille nous a fait par rapport à la scolarité des enfants et tout et tout. Va te renseigner dans l'école pour voir le prix. Et puis parle avec elle s'il n'y a pas d'autres besoins. Non, on voulait faire plus même. J'ai dit, vois. Peut-être comme elle est humble, elle a diminué le montant. Et on veut faire encore plus pour les enfants. Va te renseigner, parle avec elle. Et puis tu nous dis combien ça coûte. Le frère est parti. Il m'appelle le lendemain. Il m'appelle, il rit seulement. Il dit, hey, Jacques. Il dit, mais on t'a pas les orphelins là. J'aime pas les rigolades. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, faut laisser la faire là. Il dit, faut pas laisser se moquer de moi. Il dit, tu as déjà annoncé ça à Abidjan, tu as annoncé à tout le monde. Il dit, oui, il rit seulement. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Voyez ce qu'il a découvert. La fille est dans un réseau qui est en France. Il dit, eux, ils sont des marcheurs sociaux. C'est leur métier. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des orphelinats qui sont en Afrique avec des vidéos et puis des photos convaincantes. Et ils prennent ça, ils sont en Europe, ils montrent ça aux blancs là-bas qui ont beaucoup d'argent, qui veulent faire des œuvres caritatives. Et puis eux, on leur donne l'argent, ils prennent leur commission là-dessus et puis ils envoient le reste à l'orphelinat. Maintenant, la gestionnaire de l'orphelinat prend sa commission là-dessus et puis le reste là, elle donne un peu aux enfants qui ne sont pas orphelins. C'est un réseau. Or, malheureusement pour nous, avant même que le frère nous fasse le point, on avait déjà acheté tous les sacs à dos des enfants. J'ai dit, bon, au moins ils vont porter sac. On a acheté sac. On a déjà acheté, on peut pas. On fait quoi? On a envoyé les sacs.
Et la fille, c'est pas que nous, on sait qu'on a, que le frère, c'est qu'on a découvert. Là. On l'a laissé comme ça. Elle me relance souvent, ça va. Juste pour te dire bonjour. Vraiment, les enfants, les orphelins. Il dit mm-hmm. Dieu est le père des orphelins. Dieu est le père des orphelins. Il va s'occuper d'eux. Mm-hmm. Bien-aimé, ayez des aiguillons, des connaissances de la parole de Dieu, des paroles de Seigneur qui vont vous aider à pouvoir discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Toutes les œuvres sont spirituelles, même l'œuvre sociale. Ça doit être fait conduit par l'esprit, pas conduit par les sentiments, pas conduit par les émotions. On doit faire ça conduit par l'esprit. Tu peux voir quelqu'un qui ne fait pas pitié. Elle est toujours en train de sourire, mais elle a beaucoup de problèmes. Et elle a plus de problèmes que celle qui marche comme ça. C'est pas parce que quelqu'un fait pitié qu'il a beaucoup de problèmes. La pitié, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et souvent, tu peux ressentir beaucoup d'amour pour quelqu'un qui ne fait pas pitié. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vois la personne, tu ne la connais pas, tu ne le connais pas. Mais il y a quelque chose qui naît dans ton cœur. Tu as envie de parler avec elle. Tu as envie de lui demander, tu n'as pas de besoin. Alors que la personne, elle a l'air bien. L'œuvre sociale est spirituelle. Et dans le réveil spirituel des derniers temps, il y a des hommes et des femmes. Mais il y a plus de femmes que d'hommes. À qui Dieu donne l'onction pour faire l'œuvre sociale conduite par l'esprit. Des gens à qui Dieu va donner beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour pouvoir éradiquer la pauvreté dans certaines localités. Des gens qui vont créer des écoles. Des gens qui vont créer des centres d'alphabétisation. Et à travers les centres d'alphabétisation qu'ils vont créer dans certains endroits, les gens vont apprendre à lire et écrire. Et ces gens qui vont apprendre à lire et écrire, là, Dieu va envoyer un évangéliste pour les évangéliser. Ils vont pouvoir étudier la Bible. Et le travail de Dieu est un travail d'équipe en fait. Ça se fait en chaîne. Et si moi, Dieu me met à cœur d'aller évangéliser dans une localité, toi, il peut te mettre à cœur d'aller ouvrir une école là-bas. Nous deux, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu peut susciter un membre de son corps pour ouvrir un dispensaire dans un village. Et puis suscite un autre membre de son corps pour venir ouvrir une école dans un village. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas voir que c'est le réveil qui est là. Vous allez penser que le réveil, c'est seulement quand on prêche et que les gens se convertissent à Jésus. Mais si les gens se convertissent à Jésus et qu'après, intellectuellement, ils ne deviennent pas autonomes, il y a plus de chances qu'ils retournent dans le monde. Même ceux qui savent lire, regardez comment à cause de l'ignorance de la Bible, regardez comment à cause de l'ignorance de la Bible, on peut faire croire à un intellectuel qui doit se positionner devant une statue pour avoir l'argent. À cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Imaginez-vous maintenant ceux qui ne savent pas lire. Qu'est-ce qu'on leur raconte dans les villages? Ma mère me disait que quand elle était en 1960 au village, les colons sont venus dans leur village et ils ont dit, ils ne doivent pas lire la Bible. C'est un village musulman. Que la Bible, c'est un livre pour les initiés. Et si eux, en tant que musulmans, ils lisent, ils vont devenir fous. Et il dit, le prêtre avait ouvert à l'époque la Bible. Et puis il a dit, voici, c'est écrit. Puis il a lu. Tout non-chrétien qui lira la Bible deviendra fou. Puis ils ont dit, amen. Ils ne savaient pas lire. Je suis allé prêcher l'évangile un jour dans une famille. Il y a un joueur, un footballeur. Je suis allé dans sa famille, sa maman. En Côte d'Ivoire. Tu entendais leur prêcher l'évangile. Elles étaient encore dans l'idolâtrie du catholicisme romain. Dans l'adoration des idoles. Tu entendais leur prêcher l'évangile. Et là, il y a une qui était vieille. Elle était assise et me regardait. Quand elle finit de parler, moi, je ne savais pas qu'elle ne savait pas lire. Moi, je disais, vérifions dans la Bible. Et puis, je lis Romains 1, verset 2. Elle était là, mais elle regardait seulement. Quand elle finit, elle dit, mon fils, tout ce que tu as dit là, moi je ne crois pas en ça. Parce que ce n'est pas ce qu'on nous a montré dans le film de Jésus. J'étais découragé. Moi je te parle de la Bible, tu me parles du film de Jésus. Moi j'ai dit, mais maman, mais le film de Jésus que tu as regardé là, c'est avec la Bible ils ont fait ça. Elle dit, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que le vrai baptême, c'est le baptême où on prend un peu d'eau et puis on verse sur la tête. Parce que dans le film de Jésus qu'on nous a montré en 1975 au village, quand Jésus est rentré dans l'eau, Jean-Baptiste a pris un peu d'eau comme ça. Et puis il a versé sur sa tête. Et toi tu viens dire qu'on doit faire baptême par immersion. C'est pas ce qui est vu dans le film de Jésus. Donc maintenant il y avait un combat spirituel qui devait se faire. Film de Jésus trafiqué par les imposteurs contre la Bible. Elle ne sait pas lire. Elle s'est regardée des vidéos. J'étais obligé de lui montrer un autre film de Jésus où Jésus est baptisé par immersion. La maman est découragée. Elle dit, mais ça, elle m'a jamais montré ce film-là. Imaginez-vous quelqu'un qui était dans des fausses croyances.
Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle vit en fonction de ce que le prêtre dit. Elle ne lit pas la parole de Dieu. Et elle a plus de 70 ans. Imaginez-vous si elle mourait par terre où? Imaginez-vous ici au Cameroun, il y a combien de gens comme ça dans vos villages? Est-ce que vous avez pitié d'eux? Est-ce que vous pensez à eux? Ce soir, ce que Dieu va faire, c'est qu'en fait, il va communiquer des fardeaux, en fait. Des visions à plusieurs d'entre vous. Certains, ça sera des choses que vous pourrez faire à court terme. D'autres, ça sera à long terme. Il y en a qui Dieu va donner des visions. Dieu vous a déjà donné, je viens confirmer, de construire des écoles dans certains villages. Et vous avez dit à Dieu que si vous donne des moyens, vous allez le faire. Je vous dis de la part du Seigneur, construire école là, ce n'est pas une œuvre sociale, c'est une œuvre spirituelle. Tout ce qui va aider quelqu'un à mieux connaître la parole de Dieu est spirituel. Alléluia. Il y en a, vous avez à cœur ici de scolariser des jeunes démunis. C'est l'œuvre de Dieu, c'est votre appel qui est là. C'est le rôle que vous devez jouer dans l'armée des derniers temps. Augmenter le niveau d'alphabétisation dans certaines zones pour que les gens soient de meilleurs disciples de Christ. Même si vous ne prêchez pas, ce que vous avez fait là, ça sera plus que la prédication. Nous sommes dans les derniers temps et voici, je termine avec. Écoutez bien, s'il vous plaît. Jésus m'a dit, je ne peux pas mentir sur lui. Je le crains trop. Jésus m'a dit, il a soif, lui Jésus, il a soif de oindre des chrétiens. Il dit, il cherche des gens à qui il va donner des manteaux de puissance. Jésus m'a dit, il parcourt les nations, il parcourt les quartiers, il parcourt les villages, il parcourt les assemblées de maisons. Il parcourt les lieux, il cherche des jeunes filles, il cherche des jeunes gens, il cherche des vieillards, il cherche des hommes et des femmes que l'onction intéresse. Il cherche des gens qui ont un cœur pour aller aider les gens. Il cherche des gens qui se soucient de l'état spirituel, des gens de leur ville, des gens de leur travail, des gens de leur famille. Et il veut oindre. La puissance du Saint-Esprit qui est au ciel ne sert à rien au ciel. L'onction et la gloire de Dieu qui est au ciel ne servent à rien au ciel. Dieu s'ennuie avec. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de démons à chasser. Au ciel, il n'y a pas de malades à guérir. Au ciel, il n'y a pas de pécheurs à convertir. Au ciel, il n'y a pas de nouveaux convertis à affermir dans la sainte doctrine. Au ciel, il n'y a pas d'âme à sauver. Tout le monde est saint. Tout le monde est parfait. Oh, Dieu est puissant. Dieu veut déposer cette puissance-là sur la terre pour que ça puisse être utile ici. Mais il a besoin d'une femme. Il a besoin d'un homme qui sera prêt à accepter, qui lui impose une vie de consécration particulière pendant un temps pour le oindre, pour la oindre. Pour transporter assez d'autorité, assez de puissance pour aller aider les gens. Les gens souffrent, chrétiens du Cameroun. Les gens souffrent dans vos villages. Même dans votre ville à Yaoundé, tout près de vous ici, des gens souffrent, ils sont tourmentés par des démons. Que faites-vous? Est-ce que vous pensez à eux? Vous qui êtes en Christ, vous qui êtes sauvés, est-ce que ça vous intéresse d'être utilisé par Dieu pour aider les gens? Est-ce que ça vous intéresse? L'égoïsme spirituel est le premier ennemi du réveil spirituel. Le fait qu'on ne se soucie plus du sort de ceux qui sont perdus. Le fait qu'on ne se soucie plus du sort de ceux et celles qui ne connaissent même pas la moitié de ce que nous avons. Le fait qu'on ne se soucie plus du sort de ceux et celles qui sont sous l'effet des sorts, des envoûtements, des maladies mystiques. Le fait qu'on ne se soucie plus du sort de ceux et celles qui sont trompés par des faux pasteurs, par des faux docteurs qui les arnaquent, qui les escroquent, qui les prêchent des doctrines de démons. Qui non seulement prennent l'argent, les appauvrissent, mais aussi les aident à aller en enfer. Le fait qu'on ne se soucie plus de l'état de tous ces milliers de personnes-là, le Saint-Esprit a attristé. Parce que vous savez à quoi sert l'onction? C'est pour aller aider les gens. C'est pour aider, c'est tout. C'est tout. Souvenez-vous de pourquoi est-ce que Dieu a créé Ève. C'était pour qu'elle soit une aide semblable. Le rôle de l'épouse, c'est aider. Si vous faites partie de l'épouse de Christ,
Si vous faites partie du corps de Christ, du royaume des cieux, je vous en supplie. Dieu s'attend à une seule chose de vous pour vous oindre. L'envie d'aider ceux qui souffrent. L'envie d'aider les gens qui ont des problèmes spirituels. L'envie d'aider des gens qui ne connaissent pas Christ, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas nés de nouveau. L'envie d'aider. Et plus ton envie d'aider est grande, plus la mesure de l'huile, de l'onction que Dieu dépose sur toi est grande. Qu'est-ce qui peut nous pousser à quitter notre pays, laisser nos femmes et nos enfants, à faire 8h, 9h, 10h, 12h de route, 4h, Côte d'Ivoire, jusqu'ici, jusqu'à Douala. 5 heures de temps de Douala jusqu'ici, parce qu'on est en train de les écouter à 9 heures. Et on finit ça. Regardez tout ce qu'on fait là, gratuitement. On n'a pas demandé à quelqu'un de payer nos billets, de payer nos chambres où on dort, de payer notre nourriture. Dieu a suscité des personnes pour le faire. On n'a pas demandé à quelqu'un. On est venu ici, ça fait 5 jours. On n'a pas demandé l'argent à quelqu'un une seule fois. Normalement, on est censé partir le 25. Mais l'envie d'aider fait que je suis ici jusqu'au mercredi. Je vous dis quelque chose. Dieu cherche des cœurs qui battent plus pour aider les autres que pour se faire aider eux-mêmes. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à faire passer les problèmes avant les problèmes. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de problème que je suis ici. Je vous dis, mon fils était malade. Je peux vous raconter d'autres choses. Il y a des problèmes qui m'attendent là-bas. J'ai des problèmes. Mais quand je regarde mes problèmes, et quand je regarde pour certains Camerounais, quand je regarde pour vous, vous avez plus de problèmes que moi. Donc je préfère laisser mes problèmes pendant juste une semaine et puis venir vous aider par la puissance du Saint-Esprit. Si l'onction ne m'intéressait pas et que je m'intéressais juste à lire ma Bible, me sanctifier, partir au ciel, vous et moi, on n'allait jamais se connaître. C'est parce que plus je cherchais des aiguillons, je me suis rendu compte que si dans une génération, Dieu ne trouve pas quelqu'un qui demande l'onction, qui demande des dons pour aller aider les gens, il n'y aura rien. Pas parce que Dieu ne veut rien faire, mais parce que Dieu ne trouve personne qui va envoyer. Même au temps d'Esaïe, le Seigneur voulait faire des grandes choses en Israël, mais il ne trouvait pas quelqu'un qui était prêt à ce qu'il utilise. Et Dieu a dit dans Esaïe chapitre 6, « Qui enverrai-je ? » Dieu regarde sur la terre. Chacun est en train de chercher sa promotion, son mariage, son travail, son bien-être. Il n'y a personne qui dit, Seigneur, où est-moi? Utilise-moi. Avant que je parte au ciel, je veux détruire les œuvres du diable au maximum dans ma génération. Dieu cherche des cœurs comme ça. Je t'assure, même si tu es une petite fille, même si tu as moins de 18 ans, mais que tu es prête à laisser l'Esprit du Seigneur te sanctifier, te briser et te oindre, tu ne vas pas te reconnaître. Et ceux et celles qui t'ont connu, avant que tu acceptes de rentrer dans la génération de Shamgar, ils ne vont pas te reconnaître. Et il y a plusieurs d'entre vous ici, surtout des jeunes garçons. Je vous assure, après ce soir, beaucoup de vos frères ne vont pas vous reconnaître. Pas parce que votre teint va changer, pas parce que vous allez devenir plus riche que ce que vous étiez avant, mais parce que Dieu va vous oindre. Dieu va vous oindre. S'il y a des gens dans cette salle qui sont prêts à ce que Dieu les oigne pour aider les autres, à ce que Dieu les oigne pour faire passer les problèmes des autres avant leurs problèmes, à ce que Dieu les oigne pour pouvoir aider des gens qui veulent sortir de la sorcellerie, qui ne savent pas comment faire, à ce que Dieu les oigne pour pouvoir aider des enfants qui ne sont pas allés à l'école. Pas parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'école, mais parce qu'il n'y avait personne pour payer leur scolarité. Et si Dieu trouve ici des femmes qui sont prêtes à ce que Dieu les oigne, pour leur donner beaucoup d'argent, pas pour acheter beaucoup de bijoux, pas pour acheter beaucoup de paniers de voitures, mais pour scolariser beaucoup d'enfants. Si Dieu trouve des cœurs comme ça, si Dieu trouve des disciples qui sont prêts à ce que Dieu les oigne, pour aller chasser les démons et implanter le message de la croix dans les endroits où Christ n'a pas encore été annoncé. Si Dieu trouve, il y a un mouvement qui va commencer ici, au Cameroun, et qui va toucher toute l'Afrique centrale. Si Dieu trouve,
Seigneur trouve. Si Dieu trouve. J'aimerais demander à tous ceux et celles ici qui sont prêts à aider les gens. Tous ceux et celles ici qui sont nés de nouveau et qui sont prêts à dire, Seigneur, envoie-moi où tu veux. Mais je ne veux pas aller au paradis, je ne veux pas aller au ciel sans avoir participé au dernier réveil qui est en train de se faire dans les nations. S'il y a des personnes ici qui ont ce désir dans leur cœur, tenez-vous debout avec moi où vous êtes. La moisson a commencé dans le monde entier. Et le Seigneur cherche des gens pour y participer. Je vais vous demander où vous êtes, simplement de fermer les yeux. Et le Seigneur va distribuer des manteaux. Je vais chanter un cantique. Et pendant que je suis en train de chanter le cantique, tu vas dire dans ton cœur au Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Vous allez faire cette prière simplement. Vous allez dire simplement au Seigneur dans vos cœurs, pendant que je suis en train de chanter ce cantique, donne-moi la mesure d'huile, la mesure d'onction que tu as prévue pour moi avant que je sorte du sein de ma mère. Parlez au Seigneur dans vos cœurs. Tu m'as dit, va parler devant Pharaon et son armée, parce que ton peuple est enchaîné, tu veux le libérer, papa. Mais moi qui suis-je pour parler? J'ai tellement de défauts et de faiblesses, j'ai besoin de ta présence. De ta présence, papa. Tu m'as dit, va parler devant Pharaon et son armée, parce que ton peuple est enchaîné, tu veux le libérer, Jésus. Mais moi qui suis-je pour parler? J'ai tellement de défauts et de faiblesses. J'ai besoin de ta présence, papa, papa, oins-moi et soutiens-moi, papa, oins-moi et soutiens-moi.